Ah ouais, là, il y a du gaz quand même. Là, on arrive au truc. Faut prendre sur la gauche. Et là. Bah alors les moutons, les brebis. Bon, et ben, on est parti tranquillement pour Côte Fine quand tu veux. Mais d'abord un petit peu de neige. Oh putain. Vas-y, vas-y. Je vais pas prendre la même trace parce que c'est là. Ah ouais non, peut-être pas prendre dans l'ornière. Donc là, en fait, le début de Côte Fine et de Sous-Terre, c'est le même. Ouais. C'est ça. Alors, ça va écarter sur la droite, moi, je pense. Ouais, je vais d'abord la prendre, et après... Oh là mon pauvre, je pars en couille. Vroom. Allez à gauche cette fois. Parce que tout droit c'était dessous terre. Petite vue pas d'œil. Hein? Petite vue pas d'œil. On va aller. Vous voyez une partie, c'est un peu zone piétonne là. Enfin, zone. Premier piéton et après on coupe. Ok. Il y a du gaz à droite. Oh, ça me fait faire. Oh, il y avait la trage sur les hauts, sur la hauteur. Dun, dun. Je me suis fait semer par Pascal qui me guide aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu m'avais semé, ouais. Et je suis bien content d'avoir un guide. C'est trop bon, vous pouvez retrouver toutes les pistes de la grave sur Olaps. Hop, 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 hop. Yo.
Ah ouais, là, il y a du gaz quand même. Wouhouhou ! C'est chaud ! Oh ! Aïe, aïe, aïe ! Reste avec nous ! Ça va ? Je suis allé un peu trop loin. Ouais. On mettra ça sur le compte de la fatigue. Ouais, c'est la dernière de la journée. Jamais dire que c'est la dernière, mais je le dis quand même. Hop, hop. J'aime trop ce vélo, c'est énorme. Oh, ça vient se caler dans le petit ornière du virage. Yes, ça on l'a fait sur celle d'avant du coup, sur deux sous terre. Ça croise. Ouah, ça sort fort. C'est ça que j'aime sur le gambler, c'est énorme. Ouais, donc deux sous terre qui part à droite. Hop. Ça va, ouais, c'est la petite chute? Je sais pas si c'est penché. Petite pause, je coupe. Ouais, vas-y. Comment est-ce qu'elle s'appelle? J'arrête pas d'oublier le nom de celle-là. Hein? Comment est-ce qu'elle s'appelle celle-là? J'arrête pas d'oublier le nom. Côte fine. Côte de bœuf. Non. Je me suis fait semer par Pascal qui est on fire. Je vais partir sur la droite. Pascal, tu vas pas t'en tirer comme ça, j'arrive. Je suis tout là, Pascal, je suis tout là. Hop, hop. Ok, on va arriver au jump. C'est parti. Wham. Là, clairement, si le stabilisateur il a pas bougé, c'est vraiment grâce au setup avec la plate. Parce que ça tapait à la recette. Vous regarderez sur les pages du site. Oh, double marche. Wouh. Ça allège le vélo. Brap, brap. Là, ça met du gaz, là, Pascal. Là, on arrive au truc. Faut prendre sur la gauche. Et là. Yes. Ouh, tu ris. Ah bah là, si on en a pas sur la GoPro, c'est un miracle.
peut-être que le garde-boue, ça suffit. Hop. Allez. Yes. Ah putain, trop bon. Et là, ça m'envoyait, il y avait du flow. Ouais, ouais. Chant, mais... trop bien. Allez, petit drop. Petit drop, t'as bien fait de me dire que ça tourne, fallait être un peu sur la ligne de gauche. Ouais, ouais. Et tu vois, si tu tiens à droite, tu arrives dans le talus. Ouais. Ou alors, faut arriver vraiment doucement, quoi. Oui, oui. Bon, après, il faut pas arriver trop vite sur ce jump. Ouais. Parce que moi, c'est pour ça que j'ai laissé les racines devant, histoire que ça ralentisse un peu les... Yes. Parce que si tu arrives à pleine balle, tu atterris à moi dans le creux. C'est ça. Ça, tu peux atterrir dans le creux, quoi. Donc, voilà. Donc là, on rejoint ça, on l'avait déjà fait. Alors là, on refait celle-là. Yes. La dessous terre arrive de là. Et on rejoint le border cross de Avagwan. Ok. Le border cross. Tu vois les zigzags. Ouais, les zigzags canyon naturel. Par là-bas. Allez là. Ça fait un peu moins mal aux mains là. Dans le... ouais, c'est clair, ça relâche un peu. Ouais. Ah, je te sentais chaud là. Et là, ça va shooter dans le forcras naturel, dans le petit goulet. Hop, hop, hop. Oh, c'est serré, ça, hein. Boum. Ouais, ça gaze. Petite double, ça va lâcher le one foot. Hop. Vous l'avez pas vu, mais c'était vrai. Voilà. C'est bon, on est au top. Ouais. Let's go. Le chant attique. Ah
Et voilà, là il y a des piétons, donc important de rappeler que à la grave, les itinéraires c'est pour tout le monde. C'est pas des pistes de vélo, c'est des itinéraires, donc dessus on peut trouver des piétons. Mais les vélos sont totalement autorisés, ça a été chépé pour les vélos, mais les piétons ont aussi le droit d'y accéder. Et les vaches et les moutons aussi. Merci. Donc toujours faire attention. Voilà, c'était la minute info. Hop. Ouais. Ah ouais, là, ouais. Ouais. Toi, tu prends la dalle d'en haut et tu la roules. Toi, tu viens la chercher à partir de l'arbre et tu as une petite marche. Stylé. Tout bon. La trottinette. C'est bien, on peut faire de la trottinette à la grave. Ou pas d'ailleurs. Je déconseille vivement de venir en trottinette. Là, ça pourrait faire des photos de fou aussi. Merci. Allez la trottinette, balaye. Ça monte sans un seul coup de pédale. We made it to the end. Ouh. Ça me donne envie de passer là-dedans, tiens. Pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on remonte, c'est par là. Et là, il y en a pour 5 minutes de marche. En poussant. À peu près.